cerise qui devait être putréfiée. Non, pas putréfiée, pétrifiée, changée en pierre. Oui, bon, mais ça va, j'avais mal entendu, là. Non, parce que franchement, il doit être rudement costaud, si depuis vous avez perdu du poids, là. Ah oui, il est très bel homme. Oh, vous voulez voir sa photo? J'ai sa photo, justement. Ah oui, allez, montrez-moi. Oui. Et bien, il y a Fabrice à l'école, et Fabrice et sa marmotte, oui. Et puis Fabrice qui va chez sa grand-mère, et puis... Pardon? Vous devez faire preuve de persévérance. De quoi? De ténacité. Hein? De tenir longtemps. Oh, okay. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut, et même un peu plus. Oh, alors là, dis donc, vous êtes vraiment bien outillé, hein? Oui, ça c'est le concierge. Il était tellement bien équipé qu'il a voulu tout déballer pour tout me montrer. Vraiment, ouais, bien équipé, allez-y, racontez des détails. Oui, non, mais écoutez, vraiment, je vous assure que marcher avec des talons hauts, ce n'est pas possible, ça. Eh ben si, ça va être possible, tu vois. Et de toute façon, si t'arrives pas à marcher, t'as qu'à patiner, voilà. Excusez-moi, je n'ai que la ceinture, où est la jupe? Ah, ah, très drôle, tu parles, hein? Non. Ah, moi, imagine. J'ose même pas me regarder tellement ça va me saper le moral. Ah, quelle horreur. Bon, écoutez, pas de panique. Non, non, tout va très bien se passer. Je vais vous faire des fiches, je vais vous briefer et tout va très bien se passer. Bon, alors, à 15h, ça va, vous... J'aurai fini votre rendez-vous. Non, parce qu'alors vous aurez fini ma conférence, hein. Mémé. Quoi, mémé? Tu me traites de mémé, là? Non, mais t'as vu le look que t'avais, toi, hier? Hein? Mais non, enfin, je ne vous traite pas de mémé. D'abord, bonjour. Bonjour. Mais non, enfin, vous avez pris mes chaussures pour le mariage. Hein? Non, mais oh, il s'est rien passé, là. Laissez-moi mourir.